cette nouvelle vidéo, donc nouvelle thématique qui vise à renforcer les fessiers. Donc aujourd'hui, on va travailler le renforcement ciblé au niveau des fessiers. Donc c'est une vidéo de niveau 1. Ça se fait une partie debout, une partie au sol. Donc prévoyez un petit tapis et une chaise à proximité. Et on est parti! Allez, let's go! Ok, du coup pour débuter la séance, on vient bien caler la chaise contre un mur pour éviter qu'elle glisse lors de l'exercice. On se met devant, on va venir hop, fléchir comme si on allait s'asseoir sur la chaise et remonter, tout simplement. Je viens m'asseoir, je viens bien mettre mes fesses vers l'arrière et remonter. Hop, je vous monte de profil. Donc ici, bien ici, je ramène mes fesses vers l'arrière et je viens remonter. Encore, je pense bien l'inspiration, l'expiration, on vient chauffer dans les fessiers, donc vers l'arrière, je viens remonter. Si on peut, c'est vraiment histoire de léger au niveau des fesses, on vient chercher un tout petit appui au niveau de la chaise. Sinon, on vient s'asseoir et ensuite on vient remonter. Allez, le dernier. Et je viens relâcher. Si l'équilibre est difficile, on vient chercher la main contre le mur au niveau de la chaise. On va commencer par la jambe droite. On va venir chercher une ouverture au niveau de la hanche sur le côté. Pour avoir plus de sensations au niveau des fessiers, ramenez bien la pointe de pied vers vous. Je pense bien l'inspiration, l'expiration. La jambe de terre va aussi travailler. Je pense bien inspirer, expirer. Et c'est bien dans la hanche ici que ça travaille. Je ramène bien la pointe de pied vers soi, enfin vers le pied opposé. Je peux garder la main. Si l'équilibre est bon, on peut aller chercher sans main. Et le dernier, je viens relâcher. On va faire la même chose vers l'arrière. Hop, je viens amener ma jambe vers l'arrière. Je ne me penche pas en arrière, c'est vraiment uniquement la hanche qui va chercher derrière. De profil. Je garde bien le dos droit, le nombril est rentré vers la colonne vertébrale et là on vient cibler au niveau des fessiers. Je pense bien l'inspiration, l'expiration. Toujours l'autre jambe légèrement déverrouillée. Encore une fois, si c'est facile, on va chercher sans l'appui au niveau de la chaise. Si on vient chercher un tout petit appui, c'est pas grave non plus. On va aussi travailler l'équilibre si on lâche la chaise. Allez, le dernier. Et on vient relâcher. La chaise de l'autre côté et on est parti de l'autre côté, vers le côté et on revient. On pense bien ramener la pointe de pied vers soi, on pense bien inspirer, expirer. Une belle ouverture sur les côtés, la jambe de terre toujours légèrement déverrouillée. Si c'est facile, on vient lâcher la chaise, sinon on garde l'appui. Toujours pointe de pied rentrée vers soi. Et bien dans le parallélisme, pas vers l'avant, vers l'arrière, c'est bien ici sur le côté que je vais chercher. Et je viens relâcher. La même chose de l'autre côté, enfin de l'autre côté derrière, on vient ramener la jambe vers l'arrière, sans pencher dans le buste, donc on garde bien le nombril rentré vers la colonne, de profil. Vous pouvez légèrement amener les orteils vers l'arrière pour travailler encore plus dans les fessiers. On sent bien le fessier aussi de l'autre côté, que ça a travaillé, On sent bien dans la jambe de terre. On pense bien inspirer, expirer. Je garde le nombril rentré vers la colonne vertébrale. Je n'ai pas le buste qui part en avant. Je serre bien ma sangle abdominale. Et le dernier. Et je viens relâcher. Je pousse un petit peu la chaise. Hop, de face. Ici, on va venir mettre les pieds bien parallèles, les genoux légèrement fléchis. Et on va aller chercher le sol, le dos bien droit, et je viens remonter. Je me mets de profil. Ici, les fessiers sont vers l'arrière. Je viens chercher au maximum où je peux aller. Donc, si ce n'est pas les pieds, ce n'est pas grave. Par contre, bien les pieds parallèles et le dos toujours bien droit. Je regarde toujours en face de moi. Regard et suis. Donc, je vais chercher le sol et je reviens. On peut garder toujours la chaise au cas où je me mets de profil pour vous montrer. Qu'il y a une paire d'équilibre, on vient mettre l'assise devant, possibilité de le faire. Donc bien les fessiers vers l'arrière, je vais chercher au maximum et je contracte volontairement mes fessiers pour pouvoir remonter. Bien le dos droit, je pense bien
L'inspiration, l'expiration. Et on va chercher le dernier. Et on vient relâcher. Je reprends mon petit tapis et on va aller chercher le sol. Pour aller chercher le sol, alors, soit les genoux, ça va, et on va descendre en fente. Descendre en fente, c'est un pied devant, un pied derrière. Je viens mettre le genou au sol. Si c'est difficile, passage au sol. On vient rouler le dos ici et on vient passer à quatre pattes. Ok, à quatre pattes, je vais me mettre sur le flanc. Ah. Donc sur le côté ici, je viens mettre les jambes bien pliées sur le côté. Je viens bien serrer mes pieds ici. Donc ici, soit la tête là, soit la tête ici. C'est mieux ici allongé. Et on va venir ouvrir dans la hanche et revenir. Le pied reste toujours bien collé ici. C'est uniquement l'ouverture dans la hanche. Je pense bien l'inspiration, l'expiration. Et une belle ouverture dans la hanche. Je pense bien inspirer, expirer. Vous allez voir, ça va tout de suite chauffer dans les fessiers, ici. Hein. Donc le pied reste toujours en contact avec l'autre pied. Je pense bien inspirer, expirer. Et le dernier. Et on enchaîne tout de suite avec. Je lève la jambe totalement avec le pied décollé aussi. Je pense bien inspirer, expirer. Je garde bien le dos droit. Hein. C'est pas parce que je suis ici que je viens partir au niveau du bassin. Le bassin reste bien en place. C'est uniquement la jambe qui vient monter et qui vient descendre. On sent tout de suite dans les fessiers que ça chauffe. Pensez bien inspirer, expirer. Le dernier. Et top. On vient changer de côté. Hop, la même chose de l'autre côté. On vient bien mettre les pieds collés ici et on vient ouvrir dans la fesse, dans la hanche, pardon, ici pour travailler dans le fessier. Je pense bien inspirer, expirer, toujours. Les pieds sont toujours en contact. C'est uniquement le genou qui vient s'ouvrir. Allez, encore quelques secondes, ça vient piquer dans le fessier. Et je viens relâcher la même chose, sauf que cette fois-ci, on vient décoller la totalité, pieds, jambes, genoux et on vient ouvrir dans la hanche, on vient chercher sur le côté. Je pense bien inspirer, expirer, toujours. Une belle ouverture, on sent que ça chauffe dans le fessier. Hein. Encore une fois, laissez pas partir, c'est parce que le genou bouge que la hanche doit partir aussi avec la hanche et reste bien fixée par le nombril vers la colonne. Et le dernier. Et on vient relâcher. On repasse de l'autre côté. Hop. Ici, on va venir. Hop. On avance un petit peu plus. On vient venir ici, lever la jambe ici. Et on va venir hop, lever la jambe avec toujours la pointe de pied qui est dirigée vers le bas. Je pense bien l'inspiration, l'expiration. On garde bien la jambe dans l'alignement, donc pas vers l'avant ni vers l'arrière. Hein, c'est vraiment ici. Et la pointe de pied tournée dans le bas pour travailler encore plus dans le fessier. Je pense bien inspirer, expirer. Bien vers le haut. C'est uniquement ma hanche là ici qui vient travailler et mon fessier. Le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. Et hop, la même chose, on vient ramener le genou ici, étendre là. Le genou, étendre. Genou, tendre la jambe, allez, courage. 30 secondes à chaque fois sur les exercices. Si ça fait mal, on peut prendre une petite pause entre chacun.
Allez, quelques secondes encore. Courage, on tient bon. Et le dernier, et on vient relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On change de côté. Hop. Hop. Ici, on vient tendre la jambe à l'arrière et on vient la lever. Toujours dans le même alignement de la jambe. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Je pense bien à inspirer, expirer. On va bien chauffer dans le fessier. Ça chauffe bien, on le sent bien. Et hop, on vient amener le genou vers l'avant et la jambe. Genou, jambe qui monte. Pense bien l'inspiration, l'expiration. Là, on sent bien le fessier. Hein. On sent bien aussi le fessier de la jambe qui est à terre. Je ramène bien la pointe de pied vers le bas, toujours pour travailler dans le fessier. Vers l'avant, le genou. Ici, on vient lever. Et on vient lever la jambe. Et le dernier. Et on vient relâcher. Allez, on va détendre un petit peu les fessiers avant de passer à la suite. Hop, on vient ici étirer les fessiers avec la posture de l'enfant. Donc là, on vient bien se grandir. Les fessiers ramenés vers les talons. Je pense bien à l'inspiration, l'expiration. Je viens bien étirer dans les fessiers. Hein, qui, on sent bien qu'ils viennent de travailler. Alors, quelques secondes. Je me grandis. Je relâche bien la tête. Et hop, je me mets à quatre pattes. Hop, je décale juste mon tapis. Ok, à quatre pattes ici. On va venir lever la jambe vers le haut. Alors attention au dos, le dos il reste bien droit, le nombril est rentré vers la colonne. Et je viens redescendre. On est parti pour 30 secondes. Où on vient lever et descendre la jambe. Attention au dos. Et attention, on n'ouvre pas dans la hanche pour autant. Je pense bien à inspirer, expirer. Bien vers le haut. Allez, encore quelques secondes. Sentis bien la jambe de terre, hein, qu'elle travaille bien. Et on va chercher à rester que vers le haut. Les petits pulses. Donc attention au dos. On ne creuse pas dans le dos. Le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. Bien les fessiers qui sont contractés. Je pense bien à inspirer, expirer. Ça chauffe bien dans les fesses. On s'accroche. On garde toujours bien le nombril rentré vers la colonne vertébrale. Allez, encore quelques secondes. Et top, je viens relâcher. Hop, je me mets de l'autre côté. Et on applique la même chose sur l'autre jambe. Donc ici. Je viens monter la jambe avec le genou fléchi et je viens redescendre. Encore vers le haut et je viens redescendre. Encore. Je pense bien à l'inspiration, l'expiration. Je pense bien à garder le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Bien vers le haut. Mon dos ne se creuse pas, il n'y a pas d'ouverture dans la hanche. Allez, encore quelques secondes. Après, c'est les petits pulses. Et les petits pulses. Donc là, on reste vers le haut. Donc pareil, attention à ne pas creuser dans le dos. C'est vraiment les petits pulses vers le haut. Pas pour autant qu'on relâche la tension au niveau des abdominaux. Le nombril est toujours rentré vers la colonne vertébrale. Je pense bien inspirer, expirer. Ça chauffe dans le fessier. On sent aussi bien la jambe de terre hein, qui a bien travaillé. Allez, courage. Quelques secondes, il vous reste. Tenez bon, c'est le dernier exercice.
On donne tout. Et top, on vient relâcher. Allez, pour détendre un peu les fessiers, on peut aller chercher encore une fois la posture de l'enfant. Et on vient relâcher. Voilà, du coup, nous venons de terminer cette séance renforcement musculaire ciblé au niveau des fessiers. C'était un niveau 1, le niveau 2, vous savez très bien maintenant, il arrive bientôt. Donc restez connectés et on se dit à bientôt. Ciao !